Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat avec l'oustad Mohamed Al-Bukhari. مرحبا بكم اعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الاستاذ محمد البخاري. قبل ما نبداو الدرس ديالنا كندعوكم للاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلوكم جميع الفيديوهات اللي كندير، كذلك دعمونا بلايك للفيديو باش نوصلوا هذه القناه الى اكبر عدد من المشتركين باش يستافدوا اكبر عدد من التلاميذ. إذا نبداو على بركة الله ودائما في السلسلة ديال ليفاليسيون ديال لونيتي 2 ليفاليسيون سومين 5 لونيتي 2 بور كومينيكي اون فرونسي لو نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير. اليوم في هذا الفيديو وصلنا لاكتيفيتي دو لورتوغراف. دونك لورتوغراف ici pour objectif c'est de distinguer A de A et de A. داكوغ انك تفرق ما بين A sans accent et A avec accent. انك تفرق ما بين ETL هي l'élément de lise et EST c'est le verbe être au présent de l'indicatif. D'accord? Donc, la rubrique, on a une question, A sans accent et A avec accent. Donc, on va faire l'exercice. Donc, c'est très facile. D'accord? Les touristes sont à la place jamais l'fna. Donc, le bdou bhad. Les touristes sont à la place jamais l'fna. Donc, on a une question, A sans accent et A avec accent. A sans accent, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. D'accord? Il a, elle. Ou a avec accent, c'est une préposition qui sert à introduire un complément du verbe, ou bien un complément du lieu, ou bien un complément de temps, ou bien de manière. D'accord? Donc, la place Jemaa el Fna, c'est un complément de quoi? Du lieu. D'accord? Donc, ici, les touristes sont A. Donc, radindel A avec accent. D'accord? Donc, les touristes sont à la place Jemaa el Fna. À Marrakech. Marrakech, c'est le lieu. D'accord? À Marrakech. A avec accent. D'accord? Chacun a un dépliant touristique sur la ville. Chacun a un dépliant touristique sur quoi? Sur la ville. Yani, elle a une dîme. Donc, chacun a. Il a. Ou bien, elle a. Donc, on dit le verbe naïr. On dit A sans accent. D'accord, علاش لان هاد لا فراز هادي محتاجه لو فيرب محتاجه الفعل. الفعل هو اللي ما كاينش في هاد لا فراز. دونك غادي ندير A sans accent بلا accent. Le charmeur de serpent a mis un cobra autour de son cou et demande. On commence. Donc le charmeur de serpent هو ديك مراود التعابين. D'accord, شنو كيدير؟ A mis. Ami, donc on a le verbe mettre, m'sarraf le passé composé. Donc on a radindir quoi? Radindir A sans accent. Donc der wahed le tu'ban li hiya cobra autour de son cou et demande à une touriste si elle veut essayer. Donc il demande à avec accent. D'accord? La dame a peur et n'a pas envie. La dame a peur. Khafet et n'a pas. Donc, il y a des phrases à deux qui cherchent les verbes. D'accord? Donc, A sans accent. D'accord? La dame a peur et n'a pas envie d'essayer. Je ne peux pas essayer de faire la tête. D'accord? Mais demande à l'homme s'il veut se prendre en photo avec elle. Mais demande à l'homme. Donc, on dit dire A avec accent. Et là, je dis que nous avons le verbe. Je ne sais pas si le verbe est là. D'accord? Donc, mais demande à l'homme s'il veut se prendre en photo avec elle. Donc, qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo, l'évaluation de l'orthographe dans l'unité 2. On a fait A avec accent et A sans accent. On a fait E et E. E qui écrit ET ou E qui écrit EST. C'est l'élément de liaison. C'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo. كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.